me rappelle, c'était un soir de semaine, je sortais du boulot. Et là, tu rentres dans ce cours et t'as une belle blonde en sous-vêtements hyper sexy qui t'accueille avec le grand sourire, qui te dit « Viens, on va passer un bon moment. » J'ai retrouvé ta culotte. Oui. Je me rappelle, les 6 premiers mois, il y avait un truc de pas naturel. C'est-à-dire que t'arrives dans un cours, tu te mets tout en string et en soutif, c'est pas naturel, tu fais pas ça tous les jours. C'est pas comme au vestiaire quand tu vas faire un cours de piscine, c'est pas pareil. Faut vous mettre dans l'ambiance. Ok. On referme les pieds, on remonte les tétons vers le plafond. Le regard femme fatale, on est bien. Le petit sourire qui va bien. Attention, vous êtes filmés. Hein. C'est un bon exercice. Allez, on s'étire. Quand t'arrives en cours de burlesque, t'es en tenue culotte soutien-gorge. Et en fait, tu vas te voir dans le miroir tout le temps. En fait, c'est toi que tu dois séduire. Donc tu te regardes, tu te regardes évoluer, après tu vas regarder la vidéo. Avec les mains qui se baladent sur les cuisses. Enfin, j'ai dû prendre entre 15 et 20 kilos, quoi, en même pas 10 ans. C'est beaucoup. Donc il fallait que je m'accepte avec ce corps. Et en vieillissant, de toute façon, je sais que je n'arriverai plus à perdre 10 kilos en 6 mois, comme je faisais avant. Donc ça m'aide, en fait. Ça m'aide à l'accepter. Ophélie, des fois, nous dit « Vas-y, regarde dans le miroir, c'est toi la plus belle. » Mais je suis là « Ouh !» Je suis pas trop. Ça me parle pas, donc j'explore. Hein. C'est intéressant, c'est amusant, c'est des expériences. Mes amis, quand j'avais 20 ans, en fac, ils me disaient que je bougeais pas, je marchais comme un robot. Et je lui ai montré la vidéo de notre première scène et elle en a pleuré en me disant « Mais enfin, tu bouges. Enfin, tu t'es libérée. » Allez, je vous laisse prendre un peignoir et une paire de gants. Au début, je me disais, est-ce que c'est pas un petit peu superficiel, artificiel, toutes ces paillettes, ces gants, la femme fatale des années 50, l'époque où, après la Seconde Guerre mondiale, on a bien remis Boban à sa place à la maison. Est-ce que j'étais vraiment d'accord avec ça? Et du coup, ça prend quand même un cheminement aussi intellectuel pour se dire, j'ai le droit de jouer et de prendre du recul par rapport à ce que je fais. Si tu croises des copines, tu as le droit de les caresser au passage. Tu as le droit même de les fouetter si tu veux. C'est accepter sa féminité et puis oser des choses que tu ferais jamais. Enfin, clin d'œil au public, chauffer dans le sens flirter, et c'est être dans une démarche de séduction, d'érotisme si on veut pousser le truc. Et en même temps, t'es sur scène, donc quand on est sur scène, ça compte pas, c'est pas la vraie vie, tu vois, on fait ce qu'on veut. Tu caresses jusqu'au cou. Tu as chaud. Tu n'en peux plus. Du coup, tu glisses le pouce à l'intérieur du gant. Tu repousses jusqu'au poignet. Tu sais quoi? Si j'aime séduire, si j'aime être coquine, si j'aime être qui je suis, ça ne m'empêche pas d'être une bonne maman, d'être une bonne professionnelle. Mais je peux aussi être la femme que j'ai envie d'être. Je peux aussi avoir du désir. Je peux aussi avoir envie de séduire. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas le dire? Et du moment où les choses sont claires, que je respecte tout le monde, que je me respecte moi-même. Et c'est tellement libérateur et ça fait tellement du bien. On parle beaucoup de lâcher prise et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on lâche complètement prise, quoi. On laisse aller toutes nos envies, tous nos fantasmes. Il y a ce truc dans le public où tu dis « elle va le faire, ok, elle est en train de nous raconter ça ». Un truc comme ça où t'es hyper excitée en fait parce que t'es emballée par l'énergie des filles qui sont sur scène et qui vont aller jusqu'au bout de leur numéro. Dire à mes parents, je fais de l'effeuillage burlesque, et oui, je finis seins nus, bon, avec des népises qui tournent, mais quand même, je fais ça, c'est quelque chose qu'il fallait assumer, oser, et ça, c'est ça qui est politique.